Le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a organisé le 1er mars dernier une assemblée générale ordinaire pour dénoncer la sélection du système licence master doctorat et le retard de la réhabilitation des cités universitaires. Des personnes ne peuvent pas être éjectées comme ça du système. Quelqu'un qui finit son master 2 et qui n'est pas sélectionné pour une thèse et doctorat, c'est déplorable. Qui a peut-être, au départ, ils nous ont dit qu'ils allaient trouver des caractères de sélection. Mais il y a certaines personnes qui remplissent ces caractères-là, mais qui n'ont pas d'encadrement. Moi, par exemple, j'ai fini ma thèse, j'ai fini la rédaction, mais j'attends que mon directeur donne l'autorisation de soutenance. Mais malheureusement, je n'ai pas encore eu cette autorisation-là. Du coup, je suis reversée en D5. Et je fais comment ? Le secrétaire général du CECI a rendu la décision de l'Assemblée. Le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a rencontré tous les étudiants de Côte d'Ivoire pour échanger avec eux. L'étudiant veut s'inscrire dans une responsabilité. Nous avons souhaité rencontrer tous les étudiants de Côte d'Ivoire, échanger avec eux pour savoir leurs difficultés. Notamment, ils ont eu à signifier les difficultés sur les inscriptions, la bourse, le système LMD, les sélections, licence, master et la thèse. Et nous avons échangé et ensemble, on a eu à faire des propositions. Et ces propositions seront remises au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.